Salut mes petits Yoshi, c'est Denis Roro. On se retrouve aujourd'hui pour le cinquième épisode de Trackmania Nations Forever en compagnie de mon nouveau logiciel de record Bandicam. Donc, bon, à partir de cet épisode, je ne ferai plus de courses en ligne parce qu'il n'y a plus d'intérêt tout simplement. Et par contre, je ferai 10 courses en solo, comme ça il y aura plus de diversité et des épisodes un peu plus longs. J'ai baissé les graphismes pour pas qu'il y ait de grosses pertes d'FPS. Déjà, c'est pas trop top. Mais bon, si je baisse encore plus, après, ça va être complètement pourri les graphismes. Mais donc voilà, j'ai pas un PC puissant. Alors, quand je tryhard trop sur un circuit, j'accélérerai, hein, vous verrez ça. Et sur les courses endurance, je ne montrerai qu'un tour. Et si j'ai pas encore fini de parler, ben, je finis de parler. Puis après, il n'y a rien d'accéléré encore. Donc, c'est pour gagner du temps dans l'épisode. Hein. Je ferai des petites coupures aussi de temps en temps, hein, parce qu'avec la démo de Bandicam, on ne peut enregistrer que 10 minutes. Joli le front flip, je crois. Je sais plus si c'était front ou back. 29 secondes, pile poil. Et ben là, on va entamer direct la B07. Oh mince, j'étais en avance en plus. Hop. Donc désolé hein, pour l'absence de vidéo, j'étais pas très motivée. Voilà, hop, il y a la petite fin stylée. Ils sont quand même stylés les cinématiques. Quand vous verrez cette voiture dans une vidéo, vous saurez que c'est moi, hein, il y a marqué des numéros et tout. Ah, il était pas mal le plan. Bref. J'ai checké le temps de temps en temps, donc il y aura des petites coupures. Mais bon, ça c'est moi qui ferai ça au montage, donc. Donc voilà. Donc du coup, finalement, vu que j'ai changé de recorder, peut-être que Trackmania Turbo va fonctionner. D'accord. Oui, du coup, peut-être que Trackmania Turbo fonctionnera avec Bandicam. Je l'espère parce que j'aime beaucoup Trackmania Turbo. Ouais, ça fait quand même assez longtemps que j'ai pas joué. Whoopiness. Donc j'ai plein de nouveaux jeux à faire en let's play, puis des jeux qu'il n'y a pas encore, hein, évidemment. Enfin, j'ai déjà des jeux en tête que je peux faire, que j'ai bien sûr, et que je pourrais vous faire en let's play, notamment des jeux Lego, pourquoi pas. Enfin bref, je vous dirai ça dans un info Yoshi, quand peut-être la série, quand une série sera finie. J'essaie de pas trop me lancer dans trop de jeux à la fois, donc deux jeux pour l'instant c'est bien.
Wow. Secondes de retard. Ah ouais. Hop, on va faire celle-là. Oh, du premier coup, c'est sympa, c'est cool. Et une petite course speed pour le plaisir. Moi, mon type de course préféré dans les Trackmania, c'est les speed. C'est vraiment des superbes courses, je trouve. Elles sont plus faciles que les normales, entre guillemets. Oh. On arrive, en fait, j'ai fait plus de 4000 mètres, c'est-à-dire 4 km en beaucoup de secondes, très peu de secondes, excusez-moi. Bon, j'ai checké un petit peu aussi le temps que ça fait, et on se retrouve tout de suite. Ouf, ça faisait à peu près 7 minutes. Donc ça va, on avait encore 3 minutes de marge. Parce que oui, du coup, Bandicam, je l'ai pas payé, je l'ai qu'en démo, donc... Du coup, je suis bloqué à 10 minutes de record au maximum. Du coup, en plus, vu que j'ai pas un overlay de... Comment dire ? De record au maximum, enfin, je veux dire... Vu que j'ai pas un truc qui m'indique le temps de record, et du coup je sais pas trop quand arrêter. Et mince. Voilà. Ça c'est la technique du mec qui s'en fout complètement. Il a le time. Il a pas le time's up. Oh. Heureusement que les cactus s'y piquent pas parce que sinon mes roues seraient complètement crevées. Allez. Donc je suis content de reprendre les vidéos un peu, hein. J'ai pris une petite pause. Ça fait du bien quand même. Donc du coup c'est la première vidéo des grandes vacances il me semble. Ah ouais, attends, ça fait... Ah, ça va bientôt faire 2 semaines que j'ai pas posté de vidéo, peut-être. Ah bah non, c'est pas la première des grandes vacances, j'avais fait le changement de recorder et tout. Enfin je veux dire la vraie première vidéo des grandes vacances, il me semble, hein. Bon, du coup, pour ceux qui sont intéressés, je passe en 3ème avec 16 de moyenne. Voilà, c'était la petite parenthèse. Ça ne servait pas à grand chose pour les abonnés. Ouais, parce que j'avais rien d'autre à dire, et puis bon. Parler sur du Trackmania avec des circuits trop faciles parce que je suis trop fort au MG. voilà. Youhou! Quel beau!
B13 obstacle. Ah ouais, c'est des loopings. C'est cool les loopings. Oui, c'est bon. On ne se spoile pas le circuit. Oh, une seconde 70 d'avance. Ça va. Non, de retard, pardon. Pff, n'importe quoi. Du coup, hop. Donc là, je tourne, il fait assez chaud, donc... Là, l'été commence réellement à arriver, parce que... Au début de l'été, on était du genre, mais what? Mais s'il va pleuvoir tout l'été, on va rien pouvoir faire. Oui. Ouh, du premier coup. Bah oui, du coup, j'ai déjà fait les circuits, parce que j'y record plein de fois. Et puis bon, c'est pour les tests aussi. Hein. J'y record plein de fois. Et je trouve qu'avec Bandicam, c'est quand même mieux. Il y a... En fait, au niveau du micro, par rapport au son du jeu, c'est plus facile à paramétrer, je pense. Je pense. Et on l'a fini hyper facilement. Ah bah c'était une speed aussi. D'accord. Speedy. Ouais, j'ai peut-être encore baissé les graphismes pour la prochaine fois parce que c'est un petit peu moins fluide. Là, hop. Donc ouais, bah, du coup, le jeu va pas être très beau. Hein. Déjà, là, il est pas très beau. Hein. Bon, c'est juste au niveau du soleil. C'est pas... J'ai l'impression que c'est... Oh ben non, c'est la deuxième fois que je me plante contre un topo, un poteau du checkpoint. Ben, j'espère que le micro est pas trop fort par rapport au son du jeu. Et j'espère pas inverse non plus. En fait, je préfère que le micro soit plus fort que le son du jeu. Mais bon, faut quand même un peu entendre le son du jeu. Alors, je sais pas si vous avez marqué aussi, mais j'ai changé. Enfin. J'ai remis le son du jeu parce que du coup en fait en multijoueur on a des vraies musiques, les musiques copyrightées, et puis là bon, là c'est pas des musiques copyrightées, puis... du coup tout va bien. Donc en tout cas, j'espère que cette vidéo vous aura plu, et moi je vous dis à plus !